Allez les amis, c'est parti, on va faire encore une fin alternative. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va choisir cette fois-ci. On a déjà fait Ryan, on a déjà fait toute seule. Et on va faire quoi maintenant? Une petite lettre de la petite princesse. Et après, on va devoir faire notre choix. Il y a encore deux possibilités que je n'ai pas faites. Comme ça, on verra toutes les fins possibles. C'est plus sympa. Ça a Alors. pris des mois de léthargie qui sont passés lentement. Et je me suis réveillée. J'ai su qu'il était temps de repartir. Petit pissenlit qui flotte. De me construire une nouvelle vie. Alors Zoé, Jay, on va faire Zoé. C'était tellement évident. Ah oui, c'est celle qui a accouché de petits Au gamins, hein. fond de La moi, SDF, j'avais hein. toujours su. C'est ça elle, Zoé, non? Je sais plus. Il fallait que je fasse le silence autour de moi pour entendre ce que je ressentais. J'ai avoué à Ryan que je n'imaginais pas d'avenir avec lui. Oh, le pauvre, il se fait chaque fois jeter là. On a traversé ensemble beaucoup trop de moments difficiles. Des moments que je voudrais oublier. Il a dit qu'il comprenait. Qu'il était prêt à attendre le temps qu'il faudrait. La fin avec Ryan, c'était quand même bien avec le J'avais bateau et vraiment des l'île et tout, sentiments c'est pour trop lui, beau. mais il faut croire que c'était pas assez fort. Alors, on va voir Ces Zoé. gens m'ont accueilli quand j'étais seule. Au moment où je ne pensais plus qu'à mourir. Ils ont partagé avec moi le peu qu'ils avaient, sans même me connaître ou me juger. Au fond de moi, je savais ma place éternelle, C'est ma place légitime. mince. Stan s'est trouvé des petits boulots à droite à gauche. Jimmy a repris ses études. Il est clean maintenant. Ah, ils vivent ensemble en plus. Tuesday travaille dans un bar. Et Walter s'occupe de la petite Zoé. Ils ont parfois du mal à joindre les deux bouts, mais ils se débrouillent. Retourner vivre avec les Je SDF qui leur ont ai fait changé de peur dans vie. le passé. Ah, c'est trop génial. Et ils ne m'ont rien demandé. Ils m'aiment pour ce que je suis. Ça ne les dérange pas que je sois une fille bizarre qui parle à des esprits invisibles. Oh, le petit bébé qu'elle a accouché. Zoé m'a adoptée comme si on s'était toujours connus. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose dans ses grands yeux tristes qui me fait penser à la petite fille que j'étais. J'ai su qu'elle était différente à la minute où je l'ai vue. On n'en a peut-être jamais parlé, mais on sait bien toutes les deux qu'on a quelque chose en commun. C'était Je mignon, vois mais des bon, choses c'est quand vraiment même pas la meilleure des fins. des choses qui sont terrifiantes. Je me dis que ce ne sont que des cauchemars pour me rassurer. Mais je sais que c'est faux. Il n'y a qu'une personne qui puisse sauver le monde, et c'est une petite fille. Je dois la préparer. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Parce qu'une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, impossible de la refermer. Non. Ce ne sont pas des cauchemars, c'est sûr. Ce sont des visions de l'avenir. Et voilà les amis, c'était la fin avec Zoé. J'espère que ça vous a plu également. Il me reste plus qu'une fin à faire, celle avec les Indiens. Allez, à la prochaine, je vais vous faire directement le dernier épisode d'épilogue. Ciao ciao!